Et salut à tous et à toutes, c'est Lézéat, on se retrouve pour le mini-test de Lysandra et vous voyez que le splash du personnage est juste magnifique. Non, on n'a pas de splash pour le moment parce que le perso est sur le PBE, donc je rappelle, hein, tous les mini-tests que je fais sont sur le PBE. Donc sur les serveurs bêta de League of Legends qui sont uniquement en anglais, et bien heureusement. Et donc voilà Lysandra, la petite Lysandra. Je la connais très peu. There will be no thaw. C'est-à-dire que j'ai juste lu les sorts mais et sans plus. Alors, oula, what the fuck? Pourquoi c'est grand comme ça là? Bah bon. La vache, l'énorme chope. I will restore Freljord's greatness. Ah, et si l'animation est sympa, des cailloux. C'est quoi sa danse? Ça pue. Nul. I've been killing your kind for centuries. Ok, un bon rire relou, c'est cool. I consider friendship a compliment. Donc alors le passif de Lysandra, pardon. Toutes les 18 secondes, un sort de Lysandra lui coûtera pas de mana. Donc à la nunu, quand il tape cette personne, enfin cette sbire ou cette monstre de la jungle, son prochain sort ne coûtera pas de mana. Donc ça c'est pas mal. Je vais virer le... Hop, 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 voilà. Donc, ok. Réduce de 1 seconde, Lysandra. D'accord, très bien. Alors son premier sort... Son premier sort, qu'est-ce que c'est? Ok, elle lance un truc en avant, un pic en avant qui réduit la vitesse de 16% pendant 1-5 secondes. Son Z qui route, donc autour d'elle, ça route, très bien. Une seconde. Et d'accord, on va prendre ça et on va aller avec le Nunu parce que la glace ça déchire tout. Bon, c'est une courte portée. De toute façon, ça me coûte pas de mana. Ah ouais. Ok. Donc je rappelle qu'on est sur le PBE et que c'est pas le perso définitif, que beaucoup de choses peuvent changer jusqu'à sa sortie officielle. Tant qu'on n'a pas le spotlight et le spotlight, c'est pas définitif. Le spotlight montre montre l'aspect définitif du perso. Vu qu'il le présente à tous les joueurs, notre ami Frick. Aïe. Oh, on va se calmer. Oh là là, c'est du papier mâché. Ouf, ça va être chaud là. Oh merde, j'allais flash et y aller, mais il y a Tristana qui m'aurait. Ah ok, grand, ça éclate aussi derrière. Ça, on le voit pas là, sur la partie du sort, mais regardez, la Tristana. Enfin, je sais pas si vous voyez bien l'animation, mais ça éclate derrière. Genre là. Ou à moins que ce soit juste l'animation, je sais pas. Ah, j'ai plus de mana! On a un perso qui a du mana. Enfin, qui a des sorts qui ne coûtent pas de mana toutes les combien? Ça va marquer toutes les 18 secondes. Si. Et j'arrive à être où? Oh non. Ça, c'est de la top lane. Donc là, si je l'auto-attaque. J'ai pas compris comment comment réduire le CD du passif. Ouais non. Enfin vite fait quoi. Meurs. Allez tue le Nunu. Tue Nunu OMG. Warsit. Et elle a un skin aussi, donc pareil, il n'y a pas de splash sur le PV, mais c'est le même skin mais en rouge. Donc bon. Moi perso, le celui en rouge, je le trouve plus stylé parce que bon. La glace en bleu, c'est un peu obvious. Alors, je sais pas quoi faire, on va faire ça. Battles come and go. I am eternal.
Donc, l'ulti se commence Zhonya. Enfin, c'est comme ou pas un Zhonya. L'ulti, vous pouvez le lancer soit sur vous-même, soit sur les ennemis. Si vous le lancez sur vous-même, vous êtes invulnérable pendant une 5 secondes. Et ça fait des dégâts. Et si vous le lancez sur l'ennemi, bah, vous le stunnez pendant une 5 secondes. Et donc ça lui fait des dégâts à lui et à ceux qui sont autour. Oh la vache. Ça fait pas beaucoup de dégâts, en tout cas, Orly. Ouais, ça fait bien des dégâts derrière. On va pas y aller. Non. Sniper. Ah, la tarlouse quoi. Bon allez, donc alors le E on le lance et il y a une marque de griffe au bout de la portée. Et cette marque vous pouvez vous téléporter dessus. Ça peut bien surprendre quand même. Après c'est pour gank en tant que jungler, je sais pas si le perso est viable en jungle, mais ça peut être utile. Sachant qu'elle a un route, un slow et un ulti qui stun. En tant que jungler ça peut envoyer du steak. Et du fat steak en plus. Du gros steak. Waouh, au niveau des dégâts c'est pas ça. Allez. Ah, évidemment que je passe 6 là que je vois l'ulti avec vous. Allez, bim. Allez, bim. Ah, raté. Donc, dans la prochaine match, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le perso. On a la refonte de Trundle et de Sejuani. Que je vous ferai pas parce que les changements sont presque inexistants, on va dire. Genre, ils ont dû changer le passif et voilà quoi. Et peut-être un sort. Donc, le perso reste le même. Et on a un skin de Shyvana de glace, un skin d'Anivia. Un skin légendaire d'Anivia. Qui est pas mal, moi je le trouve stylé. Et un skin de Volibear. Qui est pas terrible. Ah d'accord, on se téléporte là où la griffe est en fait. Non mais Nunu quoi, je te sauve et tu vas, mais t'es. Ok, les bots sont vraiment débiles. Gros petite patte. Hop. Ah, j'ai l'ulti enfin. Mr. Freeze. Oh, c'est beau. Ah, oh, ça lui a frôlé le cul quoi. Embrace the cold. Les animations en tout cas sont jolies. Ça Riot, ça améliore de jour en jour. Bon, par contre le perso même si. Enfin certes tous les 18 secondes un sort ne le coupe la nana, mais sinon le perso est vraiment mana bord. 85 de mana, 70, 80 et 100, c'est chaud quoi. Ah d'accord. Genre il est doux machin. Ouais, meurs. Ouais, c'est ça, meurs. Le CD du E est pas mal aussi. Hein. Et celui de l'ulti a l'air énorme. 120 secondes. Ça va, 2 minutes quoi. C'est niveau 1, c'est chaud. Ok. Prends-toi ça. Oh merde, je flush. Ouh là, ça fait mal par contre. Je sors niveau 4. Et là, je les fesse un peu quand même. Hop. Bon, l'élastique, on s'en fout. Ouais, 34 au def. Qui c'est qui feed dans ma team hein? Nunu. Fumier là. Alors, je vais faire un séculaire. Je vais tester avec un séculaire. Pour le mana. Donc, bah, j'ai pris ça. On va pas faire sur. Hop, hop.
There will be no Thor. There will be no Thor. No Thor. Lore. You can instantly use your ultimate on yourself, be pressing. Ok, d'accord. Alt R pour le lancer rapidement l'ulti sur soi. Casting glacial pass and the running in the opposite direction will leave. Ok, donc le, il propose de faire le E pour se casser en fait du teamfight. Mais le E. Ça, hein. Oups. Un killing spree. Ça sonne énorme, enfin ça sonne vraiment un bon bout de temps quand même. Alors après on va monter le E. Alors donc là le A ça augmente les dégâts, on est d'accord. Et ça augmente le slow que ça procure. Celui-là il augmente les dégâts. La durée du route de 0,1 seconde, donc bon c'est OZEF. Le CD. Le coût en mana augmente, le CD diminue les dommages. Bon autant augmenter le route même si que. Même si c'est vraiment inexistant. Parce que 0,1 seconde, bon voilà. Mange ça dans ta gueule. 200 d'ailleurs c'est pas foufou. Mange. This is but a battle. I've already won this. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les débris derrière vont plus loin. C'est peut-être qu'une impression justement. Ok le A hein, c'est des très courts. Oh la pute. Ah ouais hein, je me testais hein. Et là je me testais. Meurs. Le A, un CD très court, 3 secondes, j'ai donc je, j'ai des stats de CD, donc 7. Je vais aller chercher le bleu après, pour voir à combien on arrive en CD, ça doit être 3 secondes, voire 2, 5, un peu comme ça. Ce qui peut être pas mal hein, du coup, parce que c'est comme Karma, son A, il fait vraiment beaucoup de dégâts. Bon, amélioré, je vous en parle pas, mais le A de Karma fait vraiment beaucoup de dégâts et le CD est vraiment ridicule. Donc on va back, on va aller faire le bleu. J'ai mon sécu. En bot. J'ai mis grève de son raquin. Putain, ils doivent galérer les deux là. On va attendre pour les dépenner. La pénétration, si. Si, si. Excusez-moi, je bois. Parce que j'ai soif. Pénétration, j'ai dit. Et on va aller faire le bleu. Alors, ça fait 200 de dégâts. Pendant. Donc. Tous ceux qui sont autour sont ralentis pendant 3 secondes de 20%. Si on ajoute à ça. Bon, ça fait un bon gros slow quand même. Mais pas mal de CC hein, quand même, le perso. They cannot fight the cold. Ok, je vois. Donc je l'ai fait juste pour tester. Hein. Donc c'est vraiment comme un Zhonya. On est non ciblable vu que le bleu reset. Donc c'est pas mal. Ok, donc quand je slow un ennemi, mon passif. Et mon passif, oui, est réduit. Donc là. 2-9 secondes, toutes les 3 secondes je balance un pic. Bon, ok. Je sais pas s'ils laisseront ça comme ça plus tard, mais. Voilà, bon. Ça, sachant que ça slow. Pas de beaucoup, mais ça slow. Donc, peut-être un peu abusé justement. 3 secondes sur un truc qui slow 30%, c'est un peu OP. Hop. Allez. On va essayer de faire venir tous les bots ici. Voir si je peux les 1v5.
Pour l'instant, H, ce sont pas les steaks. Donc faut se téléporter avant que la main arrive sur la marque. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, meurs. Ouais, c'est ça, ouais. Oh merde. Meurs. Allez. Voilà ce que ça peut mal faire. Un bon gros bait en tout cas. Si vous vous faites ganker sur votre lane mid. Oh merde. Oh non, il y a la lanceuse de banane. Ouais, meurs la banane. C'est la banane. Oh merde. Donc je disais, si vous faites gank mid et que votre jungler est dans le coin, bah un coup d'ulti et voilà. Ça peut être un. Enfin, moi je trouve ça. J'attends ce perso. Sans plus, hein, vu que je suis pas un joueur de mid ni de. Enfin, pas un jungle AP en tout cas. Je suis un jungle AD, pas un jungle AP. Mais. Ouais. Ça peut être intéressant. J'attends de voir dans ma team. Bah, quand elle sortira dans. Peut-être 2 semaines. Avec de la chance. Meurs! Meurs, meurs, meurs! Ah! Ok, l'animation de mort est pas mal. Elle se casse en petits morceaux. Si, alors ce qu'on va faire. Un Morello. Un Morello ou un Graal? Un Graal. Un bon Graal. Hop, hop. Alors pourquoi un Graal? Parce que ses sorts sont manavores et qu'avec le. Ça là. Le Calice d'Harmonie. Calice of Harmony. Moins de mana, plus on a de régène. Et que ça donne de la CDR. Hein, donc comme ça j'arriverai. Bah là je suis déjà à 17% et mon sort c'est 3 secondes. Plus ou moins. Alors si j'aurais le. Si j'ai le bleu. Je me demande à combien je vais atterrir. Honnêtement j'en sais rien. Donc au niveau des dégâts, 387 rang 2. 215 rang 5. Un route de 1-3. Ouais, donc au final on aura un route maximum de 1-5. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal honnêtement, moigné. Donc je rappelle un route, hein, la personne ne peut pas bouger mais elle peut quand même attaquer. Donc c'est corps à corps, donc c'est assez chaud. Un teamfight ça peut être placé correctement. Je vais le faire sur un allié ou pas? Voilà, merde. Petit, 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 petit. Donc l'image de Lissandra, vous les voyez en bas à gauche sur la. Enfin même sur la mini-carte d'ailleurs. Hop, hop. Hop, allez Osef, on push. Hop, hop. C'est une bonne puissance de push, mais c'est mana bord. Avec du mana, donc là j'ai 1300 de mana, j'ai mon CQ qui est monté à la moitié déjà. Ça va encore. Je vais le faire l'or bleu au lieu d'attendre le mien. Voilà, combien on atterrit. Hop hop. Sur qui il tape? Le golem. Ce bug. Ouais, le PBE c'est trop buggé quoi. Et on va redescendre sur les gugus en bas là. Alors, mon sort est à 2-5. Putain la vache. Toutes les 2 secondes vous lancez un truc. C'est waouh quoi. Ah oui mais ils sont. Ils sont des milliers. On va passer par là. Ah la pute. Voilà, je suis trop deg avec 1000. Ouais, donc j'ai l'impression que les pics vont plus loin. Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué, mais je regarde le début de cette vidéo, voir si les débris en fait du glaçon vont plus loin ou pas, plus monte le niveau. Ça serait stylé. Ouais, ils vont plus loin, hein, ça se voit là. Ça atteint les rangs derrière. Hop,
Bah niveau push du coup bah ça la rend OP hein. Ulti-le ! Ah l'humiliation quoi. Regardez-moi ce burst quoi. Et le burst du coup ça le rend continu vu que vous avez votre, votre CD du A qui est très court. Vous mettez l'ulti, enfin c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. 300 de dégâts. La portée ne change pas par contre, j'essaie des trucs mais j'ai pas la portée encore d'histoire dans l'œil. Et ouais League of Legends nous fait mutiler les yeux. Oh merde. C'est bon. Eh prends toi ça dans ta tête et si. Meurs. Le téléphone. Donc on va back, je sais pas ce qu'on va faire. Bah on va finir le Graal déjà pour commencer. Zoup, zoup, zoup. On va finir le Graal et on va faire Rabadon. Non on va faire ça. Je sais pas si vous avez vu, si vous, bah, déjà si vous jouez beaucoup à League of Legends ou pas, j'en sais rien. Et il y a eu un sujet qui a été relevé. Pour ou l'ombre, regardez-moi cette ombre, tellement belle, mon dieu. Donc à voir si faire un bâton du vide ou un Rabadon était plus viable que l'autre. Et il semblerait que faire le bâton du vide est plus viable à un certain moment de la partie. Je vais pas regarder. Hop 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 hop. Allez là, le bleu. Allez, je vais faire Nashor. Bon, lui il a plus de vie, c'est pas intéressant. Le Rise, est-ce qu'elle a de la résistance magique? J'ai pas vu. Non. Qui c'est qu'il y a de la RMR? Personne n'a de la MR. Nul. Bon, ils sont où les les bots là? Ouais, super, un coup de tour et le F. Moi je me régène, monsieur, aussi. Oh, malfit, gros bâtard! Oh, dans le vide! Très bien, ah, y'a Tristana, alors hop! Retourne-toi! Oh! Amen! Cassez-vous! On se barre avec le E. Bim! Donc je rappelle que les bots n'ont pas de runes de base. Et donc là, aucun adversaire en face n'a de l'AMR. Enfin, adversaire. Aucun cocolito! Oh bordel. Très bien. On va back. Donc là, les dégâts sont assez colossaux. Hein. Mais ils sont niveau 9, je suis niveau 15. Oh! Oh la vache! J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, heureusement que ça fait un Zonia hein, ce truc là, la vache, ça aide. J'ai failli mourir là. Alors bâton de vide aussi. Il y a un bon bruit, un instant. Allez donne-moi le speed. Regardez les cailloux quoi. Non mais les cailloux quoi.
They cannot fight the cold. Ah là 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 là. J'ai du ping hein. Ça peut être un bon jungler. Le mec il défonce des vagues de creep dans la jungle. Ah ils sont 4, nice, j'ai l'ulti dans quelques secondes. Oh god lag. Bon les deux sont touchés dessus là. Ça fait un peu mage genre film, enfin jeu avec méga boss à la fin et qui vous défonce, enfin qui défonce tout le monde et tout. Je suis le boss, je vous tue en 2 secondes. Bénil. Hop, 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 boum. Là, il y a un bot qui passe par là, là, il se fait défoncer, tout pas pourquoi. Donc les A et le Z ont le même dégât. Ils ont plus ou moins les mêmes dégâts. Donc ce que je mets avec le A, je le mettrai au Z aussi. Pas le personnage, hein, bien sûr, le sort, je parle. Ok, j'arrête, 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 j'arrête. Ah, le silence. What the fuck, la tour elle m'en veut. Non mais la tour mort OP please. La vache. Oh je vais te sniper. Je suis un sniper. Elle va me tirer dessus ou pas? Non c'est... Très bien. Si tu me sautes dessus je défonce. Très bien, on va aller mettre le burst. Bon, il a plus de vie. Dommage. Legendary. Là, par contre, on va le mettre le burst. Ah, Liv. Meurs. Oh lol. Double kill. Très bien, donc là. Je suis niveau 17, c'est au niveau 12. Bon, c'est sûr que je défonce, mais ça ferait. Niveau dégâts, je pense que ça ferait. Je pense que ça peut faire du luxe, sauf que luxe, elle a la possibilité de le faire à distance. Elle, pas vraiment, parce que pour mettre le coup, le burst complet, il faut être au corps à corps pour le Z. Après, ce que vous pouvez faire, le E, vous téléporter dans la mêlée, faire le Zonia sur vous, enfin, faire le Zonia sur. Enfin, l'ulti sur vous-même. Vu que ça fera quand même les dégâts autour de vous, je crois. Hein. Ouais, je pense que c'est oui. Non. Je sais pas si ça fera les dégâts, en tout cas ça les slowera. Votre team les défoncera. Vous sortez de la zone, vous lâchez des A et voilà. Normalement ça devrait passer. Je pense. Hein. Ceci n'est que de la théorie. Magné. Théorie magné. Donc voilà. Ok, du nœud qui est bleu dans les clips. Ah, que le bot Lux ne fait pas exploser son truc. Ceci n'a servi à rien. Non mais. Allez, meurs. Tous les sorts ont plus ou moins les mêmes dégâts en tout cas. Regardez, avec le A je fais du 450. Donc sur le regardez le gros creep hein. 450, 447 et 422. Vous avez plus ou moins les mêmes dégâts sur tous les sorts, ce qui fait que bah si vous voulez lancer tous en même temps ça fera mucho bene, si. Beaucoup de dégâts. Grève, pardon. Hop, hop. Ok, ça les fait. Ça fait des dégâts, bel et bien, même si vous le faites sur vous-même. Ah oui, tu back ici, toi, genre. Joseph.
Donc si le perso sort comme ça, il peut être pas mal. Après s'il nerf les dégâts, faut voir. Faut voir donc le spotlight, les ratios, etc. Donc regardez les ratios 215, 230, 150, 450. Avec un ratio de... tous inférieurs à 1. 0,8, un peu comme ça. Voilà. En face. Ah, mais y'a Ryze derrière. What the fuck? What the fuck? Reviens là. Ryze, viens ici. Wow, ok, j'ai failli me faire snipe la gueule. Aïe. Médaille. Oh, allez, dans ta face. Bon, très bien. Donc là, je vous ai montré un peu le perso lui-même. Donc on va se laisser ici. Si vous avez aimé cette petite vidéo, petit pouce bleu ou vert ou comme vous voulez. Pour plus de vidéos de ce type-là, en tout cas, je compte pas m'arrêter sur les mini tests avec le PBE. Bah, abonnez-vous. Et ciao, bye bye.